Bonjour, nous sommes fiers à introduire le vocabulaire en français canadien Lamp Words for Life français-anglais, disponible sur les appareils iOS. Lamp Words for Life français-anglais suit la stratégie, la méthode d'acquisition du langage par les automatismes moteurs, ou LAMP. Vous pouvez apprendre encore plus au site web aacandautism.com. Il y a quelques principes du système LAMP-WFL importants à savoir. LAMP Words for Life est compris d'une grille de 84 mots. La priorité est accordée aux mots fréquents, tout en donnant accès à des mots spécifiques. Chaque mot est trouvé par des gestes distincts afin de communiquer rapidement et facilement. Le vocabulaire s'élargit, mais les gestes ne changent pas. Au niveau complet LAMP 84, tous les mots sont accessibles en 4 clics ou moins. Il n'y a pas de phrase enduite et pas besoin d'entendre un mot avant d'en cliquer un autre. En commençant, on a besoin de créer une copie d'un fichier de vocabulaire. Il y en a deux, un clic et complète. Le fichier un clic est un vocabulaire bilingue de 83 mots fréquents en français et en anglais. Le fichier complète est un vocabulaire bilingue de milliers de mots en français et en anglais, qui rend possible d'utiliser une grammaire avancée. Vous pouvez appuyer sur anglais ou français pour changer le vocabulaire. Comment copier un fichier de vocabulaire? Appuyez sur vocab et appuyez sur changer de vocab. Appuyez sur Menu et appuyez sur Copier un vocab. Appuyez sur le fichier de vocabulaire à copier. Donnez un nouveau titre et une nouvelle description au fichier. Sélectionnez Enregistrer. Appuyez sur le nouveau nom du fichier pour l'ouvrir. Comment changer de voix? Si vous utilisez le fichier bilingue, vous devez sélectionner deux voix, une en français et l'autre en anglais. Appuyez sur Menu. Appuyez sur Paramètres. Dans la section Voix, naviguez à Voix et sélectionnez une des voix français disponibles. Bonjour, je suis Louise. Puis, naviguez à deuxième voie. Et sélectionnez une des voies anglais disponibles. Enfin, appuyez sur OK. Jouer. Play. Le vocabulaire LAMP Words for Life est organisé en paliers. Le premier palier, ou écran d'accueil, est toujours le point de départ. Ainsi, le geste pour cliquer un mot demeure le même. Nous recommandons d'enseigner les mots à partir de leur geste. Cliquez sur n'importe quel icône de l'écran d'accueil, boire par exemple. Le palier suivant apparaît avec des mots relatifs à l'icône, comme breuvage ou assoiffé. Les couleurs sont importantes. Vert, c'est un verbe. Bleu, c'est un adjectif. Orange, c'est un nom de catégorie. Et jaune, c'est un prénom. Aussi, le positionnement des cases au deuxième palier est important. Essayez une autre icône, comme lire. Les verbes, adjectifs et noms de catégorie ont chacun leur couleur et sont toujours au même endroit. Il y a parfois un troisième palier. Après avoir cliqué sur « dormir », le verbe apparaît accompagné de « réveiller » et « couvrir ». On comprend que ces mots mènent au prochain palier parce qu'ils sont en majuscules. Un troisième palier apparaît lorsqu'ils sont cliqués. Je veux dire « je suis fatigué ». Je clique « je ». ».«
Je retourne à l'écran d'accueil parce que je dois utiliser le geste pour le prochain mot. Je clique « Être » pour trouver « Suis ». Je trouve « Fatigué » en « Dormir » avec les mots relatifs. Et voilà, je suis fatigué. On peut aussi épeler utilisant le clavier. Bonjour. Avec le mode « Trouver un mot », vous pouvez entrer un mot et le mode vous montrera comment y accéder dans le vocabulaire « Lamp Words for Life ». Saisissez le mot à trouver. Par exemple, je tape « Chien ». Puis, cliquez sur « Trouver ». Si le mot n'existe pas, le bouton restera pâle et inactif. La fenêtre montrera le bouton à cliquer pour se rendre au mot. Touchez les icônes pour pratiquer les gestes à faire. On peut trouver les guides de référence rapide et autres assistants au site web lampwflapp.com. En apprendre plus sur la méthode d'acquisition du langage par les automatismes moteurs au site web aacandautism.com. Vous pouvez apprendre plus à partir de Lamp Words for Life au site web aaclearningjourney.com. Vous pouvez suivre des cours en ligne avec des instructeurs et des cours à votre rythme. Il y a aussi des outils et ressources à aaclanguagelab.com. Merci beaucoup et bon courage à apprendre Lamp Words for Life.